Coucou Melachi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma skincare routine. Ma dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, mais c'était ma night routine. Et du coup là, je vais vous faire ma skincare pour vous montrer tout ce que je me mets sur la tête. Surtout deux choses, c'est-à-dire me faire un masque et me faire un gommage, parce que j'ai le temps vu que demain je commence à 9h. Et étant donné que là je peux rien faire pour l'instant parce qu'il y a mon frère qui est dans la douche, je vais tout simplement préparer mes affaires pour demain, c'est-à-dire mon sac de cours, et c'est-à-dire mes habits, et c'est-à-dire mes réveils, j'en ai plein de réveils. Mais bon, ça je sais pas si j'ai forcément besoin de le faire avec vous en même temps, ça va être vite fait. Je prends un pantalon, je prends un t-shirt un peu bien serré mais pas trop parce que je vais faire du sport avec, donc je prends ça. Non. Si. Non. Je prends pas ça, je prends un crop top. Et ça c'est bon pour mes habits. Le plus important, j'hésite à savoir si c'est les réveils ou si c'est mes sacs de cours. Parce que si j'ai pas mes sacs de cours, ça va pas tellement trop bien le faire. Et si j'ai pas mes réveils, ça va pas trop bien faire non plus parce que je vais pas me réveiller et je vais pas aller en cours. Let's go, nous courons à la salle de bain. Il fait trop chaud ici. Ça ressemble vraiment à rien, ça, mais c'est pas grave. Donc là, je vais faire mon gommage pour ouvrir mes pores. Après, je vais me nettoyer la peau pour me nettoyer à l'intérieur de mes pores. Je vais faire mon masque, ma crème, mes boutons pour mon titri, je vous montrerai. Et après, je vais me brosser les dents. Mais je pense que là, je vais déjà commencer par enlever ça. Ah, oh, ça libère et je m'entends, c'est incroyable. Je crois que je parle fort, en fait. En soi, je me fais un petit kiki derrière la tête. Ah. Tu veux rentrer, Pixel? Pourquoi tu miaules? Viens. Coucou, petit chat. Coucou, petit chat. Bonjour. T'as mis 15 secondes à rentrer, hein, quand même. Je disais, je vais me faire un petit kiki derrière la tête et je vais vous montrer tous les produits que je vais utiliser, les marques et tout. Ah, je vais commencer avec un gommage à l'aloe vera de la marque Andro, je crois, enfin je sais pas tellement. Mais ce que je peux savoir, c'est que c'est un gommage avec des billes, bah c'est un gommage quoi. Et il est vraiment trop bien, c'est pas tellement des billes en fait, on dirait des petites plantes, bah de l'aloe vera quoi. Ce que je fais à chaque fois, je suis pas sûre que ce soit le bon truc à faire. Je me mouille les mains, j'en mets un peu sur mon visage et après... Je vais en prendre, bon, c'est assez dur comme pâte. C'est une pâte assez dure, mais bon, qui sait, c'est un gommage en fait. Jeanne, arrête de parler et de dire n'importe quoi. Ok, et après tu viens en mettre. Et j'ai essayé d'en mettre là où j'ai le plus de boutons, tout simplement. Par contre, je suis vraiment désolée à ceux qui ont fait ce gommage ou quoi, mais ça sent horriblement mauvais. Pareil, je vous avoue que j'ai pas trop d'instructions. Je sais pas s'il faut laisser le gommage ou pas, quelques minutes et tout. Du coup, là, je vais l'enlever. Bon, c'est ça que ça donne. Enfin, c'est pas énorme. Et du coup, je vais venir prendre un petit coton et je vais enlever les petites billes à chaque fois. En vrai, parfois, elles sont un peu compliquées à enlever. Genre, ça accroche. Ah, c'est compliqué. Ah, si jamais vous entendez du bruit, c'est lui là-bas. Si jamais vous vous demandez, il me semble qu'un gommage, ça sert justement, comme je le disais tout à l'heure, à ouvrir un petit peu tes pores et du coup à venir, je dirais, désinfecter un peu tes pores ou à laisser respirer tes pores. Et pour ceux qui ne savent pas, bon, ça m'étonnerait que ce soit que des petits, petits, petits enfants qui regardent mes vidéos, mais pour ceux qui ne savent toujours pas, des pores, c'est des petits points qu'on a sur nos visages. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais par exemple, là, on a plein de petits points. Bon, pas ça. Mais là, on a plein de petits points, bah c'est des bords. Du coup, après m'être fait mon gommage, étant donné que j'ai plus de trucs pour faire le visage, là, de nettoyant à visage, je prends vraiment juste un gel lavant de la marque My Baby. Donc, bon, c'est pas énorme, mais ça marche très très bien pour laver ton visage. Et du coup, comme tout à l'heure, je mouille mes mains, je mouille mon visage, bébé. Je mets un petit peu, tac. Ça, l'importance... pour que ça mousse et après tu bah frotte, hein, je vais pas te rendre indécent, t'as déjà une image. Voilà, bon, je sais pas du tout où est mes yeux. Attends,
J'ai dit où est mes yeux. Moi être French. Bon bref, après je rince, vous avez compris, c'est un savon, tu sais. Oh, dans l'œil. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça pique. Pourquoi ça arrive à moi, ce pourri là? Ça pique. Mais c'est un gel pour bébé, pourquoi ça pique autant les yeux? Je crois que je me suis mis du gommage dans les yeux en fait. Bref, en essayant de pas faire la même catastrophe que moi, on se met du gommage. Et du coup après je vais mettre un masque à l'argile de la marque Patika. Je connais pas la marque en fait. C'est un masque au charbon détox et vraiment il est trop trop bien. On doit le laisser 10 minutes celui-ci et je le trouve vraiment incroyable. Je fais ça souvent les dimanches et les mercredis, mais bon, parfois j'oublie. Là, on est jeudi par exemple. Demain, je commence à m'aider. J'en ai plus, du coup, bah, je vais enlever au final. Et on va venir mettre un autre truc. Donc, en fait, j'en ai deux. Soit je vais en avoir un, vous savez, qui tire là. Soit j'en avoir un comme ça. Donc, je pense que je vais mettre celui-là de la marque Yesto. C'en a un, tu mets que en 5 minutes. Donc, en vrai, ça va. Il marche. Comme ça, enfin il marche pas d'ailleurs, il court, je rigole. Il fonctionne comme ceci, t'as une petite roulette en bas où tu dois le monter. Et après juste, tu fais ça et après ça marche tout seul franchement. Ça a presque la même couleur que la peau, du coup faut pas s'étonner si jamais tu le vois limite pas. Arrête. C'est bien rose mais tu le vois pas forcément beaucoup. Du coup j'ai 5 minutes top chrono. Oh mais t'es là toi. Attends, fermez la fenêtre. J'ai coincé le collier dehors. Ok, je ferme la fenêtre et je laisse un petit peu ouvert. Je laisse un petit peu. Je disais, j'ai 5 minutes top chrono pour vous charger. It's finished. Ça fait 5 minutes. Alors, on va aller voir le petit chat. Petit chat, is plus here. T'as volé mon chat? C'est pas vrai, tu l'as volé, menteur. T'as volé mon chat. J'ai enlevé mon masque parce que j'étais en train de vous parler et tout, sauf que j'ai dit n'importe quoi. Du coup, en même temps, je vais vous mettre un soin de nuit anti-fatigue en même temps pour vous redire ce que je voulais dire. En gros, je voulais dire, je sais pas si vous faites partie de ma communauté déjà ou pas. Ça dépend si vous êtes tombé sur ma chaîne ou si vous faites partie de ma communauté. Je peux parler de ça, une communauté. Parce que quand je vous tourne cette vidéo, on est le jeudi 24 novembre 2022. Je suis désolée, il y a ma mère qui est arrivée. J'ai dû terminer de me brosser les dents et de faire ça. Mais je disais, je crois en tout cas que je vous disais, qu'à l'heure de maintenant, on est le 25 novembre 2022 et j'ai actuellement 17 700 abonnés, ce qui est incroyable pour quelqu'un de mon âge, sachant que de base c'était vraiment un jeu en fait, je m'en fichais totalement, j'ai commencé il y a 8 mois, j'avais pas d'abonnés, je m'en fous, et là, après 8 mois, 17 000 abonnés, c'est énorme, vraiment, vraiment, vraiment. Et je voulais aussi dire, tout à l'heure, je me suis cherchée sur Google, enfin une amie à moi m'a cherchée sur Google et on m'a trouvée, genre vraiment je suis sur Google, c'est incroyable. Bref, du coup, après me brosser les dents, déjà je me brosse les dents, soit avec un dentifrice de chez Signal, soit j'ai un truc qui s'appelle Endro. En fait, je viens de me rendre compte, mais Endro, c'est la même marque que le gommage de tout à l'heure. Mais bref, c'est un truc trop bien. J'avais oublié, mais il faut aussi que je m'occupe de mes cheveux. Du coup, je vais mettre déjà mes gouttières, mais avant de mettre mes gouttières, je fais toujours un truc que je pense personne ne fait. Je viens passer ma gouttière sous l'eau froide, histoire que j'ai de l'eau froide, parce que sinon, les gouttières, elles sont super chaudes, c'est vraiment horrible. C'est pas du tout confortable. Et je dois tout simplement mettre ça, parce que je viens d'enlever mes bagues. Alors, on va s'occuper de mes cheveux et après on ira mettre mes soins essentiels que je vous ai parlé tout à l'heure. Mes cheveux, j'ai pas grand chose à mettre, j'ai juste à coiffer et j'ai peut-être des petits produits à vaporiser, je regarderai après. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée, j'ai perdu ma mèche blonde parce que pour ceux qui savaient pas, c'est une extension qui accrochait à mes vrais cheveux avec du scotch. Toi déjà mets-toi bien avec du scotch tout simplement bien mis là. Mais du coup je suis dégoûtée. Attends, je vais juste voir quelque chose. Si jamais je fais par exemple, tac.
Non, vraiment pas. Bah, j'ai plus qu'à jeter à la poubelle et puis on verra. Si jamais la prochaine fois que je vais chez le médecin, je peux en mettre une, si elle en a encore. Puis du coup, des trucs à mettre sur mes cheveux, je vous avoue, j'ai pas grand chose. J'ai des brumes, mais pas sûr que ça pour les cheveux déjà. Antiperspirant, je sais pas ce qu'elle veut dire. Ah, c'est un déodorant antitranspirant. Oh, ma mère, elle a des déos comme ça. Gelée capillaire, bouclier anti-déshydratation. Bon, non. Et ça, c'est une brume que je me suis mise ce matin. On va poser sur cheveux humides pour obtenir des ondulations comme à la plage. On va mettre ça de la marque Cut by Fran. On verra le résultat tomorrow. Enfin, je verrai le résultat. Vous, on verra si vous voyez. Et du coup, il faut que j'aille me mettre mes huiles essentielles et après la vidéo sera finie. J'ai oublié, mais en fait, j'ai deux trucs à mettre. Alors, premièrement, j'ai mes huiles essentielles. Après, j'ai mon huile à cuticule. Alors, mes huiles essentielles, ça s'appelle du tea tree. Donc, c'est un arbre à thé. Mais nous, on appelle ça du tea tree. Et en gros, si vous voulez, normalement, tu mets sur un coton et après, tu mets sur tes boutons, soit quand tu viens de les éclater. N'éclatez pas vos boutons, c'est pas bien, mais avec ça, ça t'empêche les cicatrices. Soit juste comme ça, et après, ça va t'enlever tous tes boutons. Et moi, j'en mets du coup sur le doigt. J'en mets quelques gouttes. Et après, j'adore le mettre sur mes boutons. Bon, ça sent pas bon parce que c'est des huiles essentielles. C'est comme quand t'as le nez bouché, bah ça sent pareil. Mais c'est vraiment très, très, très efficace. Et puis bon, c'est pas pénible. T'en mets le matin, t'en mets le soir. Le matin, si t'as du temps pour pas sentir mauvais. Là, par exemple, j'avais un super gros bouton. Il est tout petit. Ça pique un peu les yeux, faut essayer de pas en mettre trop près des yeux. Et du coup, dernier truc, c'est mon huile à cuticule. Je parle plus trop fort parce que ma mère, elle est allée se coucher. Du coup, c'est mon huile à cuticule de la marque Cherry. Et ça, c'est quoi? Ça donne quelle marque? Bah, c'est de la marque huile essentielle chémotypée, arbre à thé, Melaleuca altéfa, titri. Bref, je sais pas la marque, mais tu demandes du titri en pharmacie, tu te donnes ça. Et ça, c'est de la marque Cherry. C'est une huile à cuticule pour que tes cuticules soient hydratées. Ça sent le dragibus. J'adore. J'ai pris ça chez la prothésiste ongulaire de ma grand-mère. Franchement, je l'aime absolument beaucoup trop. Ça sent trop bon et tout. Et du coup, c'est un petit peu rosé. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un peu rosé. Ça sent bon. Et j'adore. Bon, du coup, Mélodie, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, bah, je veux pas dire que j'ai adoré la tournée, parce qu'en soi, c'est ce que je fais presque tous les soirs. Donc bon. Mais bon, bref, c'était cool de la tournée, de vous faire une vidéo, etc. Et du coup, bah, je vais la terminer. Et je vous dis à la semaine prochaine ou à je sais pas quand. Bisous!